Salut les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Battue. On commence tout de suite par quelques scènes sous plusieurs angles. Observez comme ce renard va se jouer de moi. Il passe comme une flèche, trop loin pour tenter une balle. Suivi de près par ce chevreuil, qui prendra le même trajet. Bravo le toutou. Un dernier chevreuil va encore venir me titiller. Mais je ne m'énerve pas sur les chevreuils que j'aime tirer à coup sûr. Et la tension monte au poste suivant, où j'ai entendu craquer et se remiser devant moi. Avec Yuna, on ne bouge plus d'une oreille. Je vérifie que les caméras tournent, et soudain... Wow, mais c'était quoi cette compagnie de fous? On a vu que j'ai beaucoup hésité sur l'animal à tirer. Revoyons la scène. Avant d'analyser plus en profondeur, je vais encore rigoler de ce que j'aime appeler le mode prédateur. Regardez ma réaction et le changement d'attitude. Je passe un poil devant. Bon, les passionnés, j'ai ce poste un petit peu en bordure d'épée, puis j'ai un gros clair derrière. Une troupe de j'ai rarement vu ça, une laie qui est pas énorme devant, qui doit faire dans les 70 kg plein. Et puis derrière, il y a entre 25 et 30, pas des marcassins parce qu'ils sont pas rayés, mais des tout petits, pas possible de tirer des bêtes comme ça, vraiment des 10 kg quoi, 10-15 kg. Derrière, deux autres noirs, donc je me dis avec tous ces marcassins, tous ces jeunes, ça doit être des laies, donc je tire pas. Et arrive un dernier, un peu plus rouquin. Donc le fait qu'il soit un peu plus rouquin me fait tenter une balle. Et le deuxième, je tire à 80 mètres là-bas parce que j'ai un tout petit espace et je l'attendais là. Voilà, donc mais vu la configuration, c'est possible que ce soit une laie. Mais si c'est une laie, elle est pas grosse, quoi, on va voir. Je vais voir en tout cas si on retrouve du sang ou quelque chose. On va aller chercher ça avec la chienne. A tout de suite.
chemin, c'était là. C'était... Oh putain. Oh 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 oh. Là, c'est touché. Et ça. Il n'y a pas grand chose. Merde. Si, 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 si. Hop. Oh, il y a de la viande. Oh. Ah, ouais, il y a du sang, du sang. Bon. Ouh, puis ça grossit un peu. On va suivre ça la trace. On commence à avoir du sang rouge et il y a des petits bouts roses, donc à mon avis les poumons sont touchés. Regardez-moi ça. À mon avis, vraiment pas loin. Oui. Oh là. Là voilà. Là ma bête. Allez, donc c'est bien ce que je pensais, c'est une petite laie. Une petite laine 45 kilos vidé. Oui voilà, donc là t'as pas là. Super, bon, je suis content d'avoir trouvé, de bien avoir bien content d'avoir bien cherché, parce que là je tire ma deuxième balle quand même assez loin et bon, ça vaut le coup de toujours bien vérifier. Au début je trouve un tout petit peu de sang. Et puis voilà, il faut. Voilà, c'était une belle recherche. Bon, j'aime pas trop aller trop loin derrière sans chien. Mais bon là il perdait beaucoup de sang, donc c'était pas trop compliqué à suivre. Allez, on va voir les honneurs. Ça devient bouché. Très bien. Viens prendre la photo. Allez, viens. Hop. Dépêche-toi. Oui, mon toutou. Viens prendre la photo, allez. Ah oui. Assis. Assis, lunette. Assis. Assis. C'est bien. Assis. Nouveau poste, nouvelle scène. Je vous laisse vivre à l'instant.
On vient de vivre une scène bien sympathique. J'ai des chevreuils qui arrivent sur le côté. J'hésite un petit peu, puis finalement, bon, bah, je les laisse. Et au moment où j'éteins la caméra, purée, je vois deux grandes oreilles noires en face qui m'arrivent dessus. Alors, comme vous voyez, je suis un peu caché comme le nez au milieu de la figure ici. Alors du coup, j'ai décidé de me baisser pour éviter qu'elle me voie un maximum. C'était donc une laie qui arrive et je vois une laie, donc une grosse laie, avec que des petits, pas tirables. Et il s'arrête là, 35-40 mètres. Et puis d'un coup commence à se dégager, mais je voulais pas bouger, commence à se dégager une paire de bêtes rousses. Et puis voilà, bon, à un moment, quand la laie fait demi-tour, donc je sais qu'elle sautera pas le chemin là. Donc je sais que c'est fini, donc je me lève. Et voilà, j'ai une bête rousse qui se dégage et je fais un petit tir sympathique. Le seul truc, c'est que la chienne m'a échappé. J'ai oublié la laisse au poste de ce matin. Et du coup, elle est partie comme une furie derrière. Heureusement qu'elle m'écoute quand même, parce qu'elle a une dizaine de sangliers devant elle, même un peu plus, je pense. Puis elle arrive quand même à s'arrêter, donc bon, c'est relaxant. Mais bon, ça, voilà, j'ai pas du coup tenté aucune autre balle, et puis ils sont retirés par mon voisin après. Bon, allez, on va aller voir ça. Ah, tu l'as trouvé, Toutou ? Tu l'as trouvé ? Tu l'as trouvé ? C'est bien. C'est bien, ma fille. C'est bien. C'est bien, Toutou. Oh, bonne balle de cœur. Ah, une petite dépouce. Hey, Toutou, on l'a attrapé, oui. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.